Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Dr. Fong pour un nouvel épisode de Crazy Machine 3 en compagnie de Foxda. Salut Fox, ça roule. Salut, ça roule et toi? Bon, ça roule, ça roule. Alors, l'heure du thé? L'heure du thé, oui. Bah, l'heure du thé. Alors, l'heure du thé, c'était un grand classique, une grande tradition, puisqu'on l'a fait dans l'autre vidéo juste avant. J'ai dû engueuler Fox comme du pot pourri, mais je sais pas si on en guirlande du pot pourri, Du pain perdu plutôt. Je sais pas si on engueule non plus le pain perdu en fait, je sais pas. C'est moi qui t'ai engueulé de toute façon. C'est vrai que. Plus. Et maintenant, chat. J'aime bien le son. C'était hier. Voilà. Et c'est l'invention du moteur à vapeur. Ça s'est passé comme ça en vrai. Avec des boules. Avec des boules. Sans aucun mauvais jeu de mots, bien sûr. Alors, rayon laser et pyramide. Et c'est là que ça va se compliquer. Parce que, effectivement. Plein de lasers, plein de diviseurs de lasers, et là, on est dans la merde. Si on se disait que il y a un laser qui part à gauche là, et qu'on veut avec 4 diviseurs de lasers, donc ça fait plus 1 à chaque fois, donc ça fait 5 exactement lasers. Si on veut alimenter les 5 pyramides là-haut, on va essayer de diviser un laser ici, de le rediviser là. Et de faire ça. Alors c'est là où on en était. Et on s'est dit, on a 3, c'est déjà bien. Mais en fait, la solution est beaucoup plus compliquée que ça. Est-ce que tu veux la savoir, Knarf? Vas-y, raconte-nous ta vie. Balance. J'ai pas de double écran, je vais faire des altabs. Qu'est-ce que je vais faire des altabs? Comment ça? Comment ça? Qu'est-ce qui branle? D'accord. 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 Ça a l'air bien déjà. Ensuite là, si je fais ça, ça. Ok. Et si je faisais ça? Et en plus. Ça change rien de là où on était, vois-tu? Ça. Cool. Ah oui, d'accord, ok. Et le petit cube en bas à droite. Ça là, mais attends, il y a un truc que je. J'arrive pas à reproduire le. Oui. Bah oui. Non, il manque toujours. C'est toujours le même problème, c'est qu'il y en a un, on se retrouve toujours avec une pile. Ah bah d'accord. Ah mais le truc de con en fait hein. Fallait bien faire là ici comme je pensais hein. À un moment donné je me suis dit il y a un schmilblick à faire de changeur de laser dans tous les sens. Et c'était bien ici qu'il fallait le faire. De toute façon on avait déjà l'idée d'un truc ouais. On avait le petit cube blanc en plus au sol pour nous indiquer qu'il allait y avoir un délire dans ce truc là. Mais on a galéré, ok. Alors le level suivant que personne n'a fait. On va voir. Une pilule pour le crâne. Dans un autre rêve, un crâne m'a demandé de lui apporter la pilule blanche pour soulager des sébos d'estomac. Alors apportez la pilule blanche jusqu'au crâne. Oh, le trône des crânes. Gacha. Bon, on a une boule blanche là-haut. Elle avance bien. Mais je pense pas qu'elle puisse prendre assez de vitesse pour... Moi je la trouve vachement rapide. On peut la rapidité avec ça, ouais. Carrément. Ah, on est sur un... Ok, on est sur un système de... De foudre à micro-ondes. Petite bûche. Ah, c'est les bûches qui roulent, ça? Ça roule même pas, tu vois. Pas du tout. C'est quoi, c'est un truc... bouge pas, quoi, Inamo. Est-ce que ça suspend l'air? Oui, complètement. Très bien. Non, je découvre des... On a des tables. Table de crâne. Tellement magique, quoi. La première chose à faire, c'est de faire bouger la boule. Avec ça. La boulette.
Ça va la rapidité. Rapidisation de la boule. C'est plus. Je pense que la boule va aller à gauche maintenant. Il faut la renvoyer. Avec la rapidisation de la boule. Accélération de la boule. Ah, tu l'as renvoyé trop tôt. Ah, trop tôt. Ouh, tout juste. Just all the reggae, comme on dirait. Ouais, mais c'est suffisant. Pouit. Et voilà. Et ça fait des chocs à pique. Oh, pépites de chocolat, bien sûr. Évidemment. Tellement bon. C'est trop bas, ça. C'est assez haut. Mais c'est hors du sol. À tous les coups, faut pas que je le pose là. Tous les coups, j'essaie de poser un truc. Je veux pas. Donc ça va pas là. Hein. Si ça s'emboîte pas, c'est que ça va pas là. Si, je pense. Bah. Moi, je pense que le jeu, il est médisant. Hein. Moi, je pense que le jeu. Le jeu, il veut pas que je triche. Déjà, j'aime pas les jeux qui veulent pas que je triche. Hashtag Fallout 4. Hashtag ça parle mal. Je sens que la bûche, tu sais pas comment faire. Mais bon. Si, ça me sert de butoir là. Ah oui. Ça me sert de butoir dans cette histoire, mais. Le jeu il veut pas quoi. Le jeu il refuse que je pose des trucs. Hein. Donc moi le jeu pour l'instant je mets la bûche là et puis on verra bien. Sans rien n'est fait pour aller ici. Paf. Pif paf pouf. Pif paf. Ou alors. Je viens de penser à une escroquerie. Monsieur, je viens de penser à une escroquerie. Je pense que ton escroquerie fonctionnera. Est-ce que je peux escroquer le jeu? Est-ce que le jeu veut bien se laisser escroquer un peu? Vas-y. Ah, annulation. Annulation de l'accélération. Attendez. Annulation de l'accélération. Ah, c'est bien vu, c'est bien vu. Attends, je tente des escroqueries jusqu'au bout. Des escroqueries engagées. Eh non, ça marche pas. Non, y'a trop de force, y'a trop de force. Ok. Je pense qu'il faut partir sur l'idée de départ. Les escroqueries, c'est mort. Voilà. Moi, j'aurais tenté. Le jeu n'a pas d'humour. Bravo. Boum. Ok. Mais ici, on peut pas poser de table. Genre, là, c'est en rouge, quoi. Je suis obligé de les mettre au-dessus du sol. Parce qu'il n'a pas beaucoup de sens. On va pas se mentir. Je pense qu'avec la bûche, il faut bloquer le. La passe le... Enfin, le la porte du haut, enfin la porte qui tombe, comment ça s'appelle déjà? Ah, tu veux vraiment bloquer ça? Mais c'est quoi l'intérêt? C'est que la boule elle puisse passer ensuite à droite. Parce que le... Moi si tu veux l'idée que j'avais, c'était un peu... Je sais que c'est un peu révolutionnaire, mais... C'était de penser en un truc comme ça, tu vois. Enfin... Ouais, mais la boule elle pourra pas passer à droite parce que la trappe, voilà, ça s'appelle une trappe. La trappe, elle... Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Elle va descendre jusqu'au bout. Bien vu l'aveugle. Voilà. Qu'est-ce qu'il est omni... Qu'est-ce qu'il voit l'aveugle? Pouf pouf. Ah c'est ça, mais ici c'est trop. Ah mais on peut le mettre en bas. On peut le mettre en bas. Tout à fait. Boum. Ah, le truc c'est que là pour l'envoyer... Moi je veux bien. Hein. Je crois que le jeu voudra pas. Hein. Quoi? Quoi le jeu? Je ne sais pas. Ah. Ah, je me suis fait arnaque. Mais, je me suis fait arnaque. T'es pas obligé de tout mettre, je pense. Il faut que je la renvoie un peu fort, parce que du coup, elle va avoir voilà, de l'électricité contraire, tu vois, ici. C'est ça le problème. Après, est-ce que sans ça, ça passe? Je suis pas sûr. Donne un peu de force. Hop. Et ici, ah c'est... mais c'est ça. Ah bah la table tombe dessus. Ah bah on met le truc un peu plus au-dessus avec. Tu vois c'est là au moins ça me pose de moult problèmes. Attends, fais-moi voir, fais-moi. Vas-y, je te laisse gérer. Parce que ça bloque la table, ça peut bloquer la table. C'est-à-dire que. Je crois que. Ah, un Reich. Je
Donc là, si on a une pente, voilà, on a une pente. Oh, on a presque une pente. Ah ! Presque. La pente. En plus, il y a le crâne qui ouvre la bouche et tout. Pourquoi ça n'a pas voulu le faire ? J'ai pas compris. Non plus. Ouais. Pourquoi ça n'a pas voulu ? Parce que le. Non, mais trop... juste à mon avis, un problème de physique. Attends, attends. On lance le, hein, c'est tout. Hein. Hop. Ah non ? Ouais, c'est à gauche, il est trop. Il est trop proche du bouton à gauche, donc on va. Voilà. Wouhou ! Bien vu. C'est bon ça ? Oh, finalement, la solution était une petite escroquerie. C'était rigolo. Bon. Allez, mission suivante. Machine suivante. Donc, faut conserver la mentalité de l'escroc. Hein. Moi, c'est tout ce que j'ai retenu. Hein. Déverrouiller le trésor. Est-ce que quelqu'un m'appelle depuis l'intérieur de ce coffre ? Il vaut mieux vérifier. Peut-être que le propriétaire du divan est enfermé à l'intérieur. Ok, donc là, on a des ballons qui tombent. Wouh ! Et on a un coffre qui bouge. On a un coffre qui zouk bien, un coffre qui zouk fort. On a quoi ? On a une rampe. Une rampe qu'on peut pas mettre ici. Donc inutile finalement, c'est une rampe inutile. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Mais pourquoi ? On dirait que c'est juste un tuyau, mais bon, on verra. Mais il y a des trucs sur le déco. C'est bizarre. On étire cette planche, ok. On a un divan. Ça fait quoi un divan ? Bon. Un divan, ça dit divan. C'est sa place. On va dire que c'est sa place. Voilà. Moi, je vais tout escroquer, j'en ai rien à faire. J'ai plus rien à perdre, moi. Mec, j'ai tout donné, j'ai tout perdu. Ma tête me saoule. Faisons un truc débile comme ça. Ah, c'est ça un divan. Ouh, ça appuie sur le bouton. T'as appuyé sur le bouton sans faire exprès. Alors, c'était extrêmement bien calculé. je te permets pas de dire que c'était fait sans faire exprès, d'accord. Ok. C'est ça, mais oui. Mais je ne sais pas comment on ouvre le coffre en fait. Faut faire quoi ? Faut amener une balle sur la cible, c'est ça ? Je sais pas, mais on va trouver. On voit bien qu'on va trouver. Ouais, ça paraît bien ça comme ça. J'ai envie de faire des trucs chelous, hein. T'es prévenu. Ça va être bizarre. Ah oui, il y a un autre bouton. Mais ils servent à quoi les boutons ? Ah, tous les boutons ouvrent le coffre en fait. Ah, le tout. Oui, j'ai l'impression qu'en fait, si tu le laisses en l'air, il tombe par terre en fait. Ouais, c'est ça. Donc t'es obligé de le mettre au sol en fait, ce tuyau là. Voilà, t'as juste pas le choix. En fait, chaque bouton ouvre le verrou du coffre. Il y a 4 boutons, il y a 4 verrous. Ouais. J'en ouvre un. Et j'en ouvre pas 2. Si, t'en as ouvert 2. Et peut-être ça. Ouhou, 3ème. J'en ouvre 3, mais j'en ouvre pas 4. En fait, faut que cette balle arrive à me toucher un truc à un moment donné. Ça me la touche, quoi. Bah c'est le bouton à gauche. La question c'est est-ce que mon ballon est assez bien placé pour créer des embouts. Oh mais voilà, elle est là l'escroquerie. La jolie escroquerie, regardez bien. Regardez bien, c'est pas prêt. Alors oui non, je suis obligé de garder mon ballon comme ça. Si je veux avoir le bon rebond. Eh mais non, il faut que je décale obligatoirement. Ok. Ballon, tu viens de là. Presque 3 boutons. C'est faux ici. Et boum. On a 4, il nous manque juste celui-là en fait. C'est juste que je règle le problème de ma pale et de ma balle. Sachant qu'il y a une deuxième. Peut-être. Un truc bizarre. On pourrait tenter. Mais je vois pas l'intérêt. Mais peut-être. Nous allons tout vérifier maintenant. Non, c'est nul. C'est nul. Toi, tu sers à rien, hein, casse-toi. Toi, voilà, tu me sers juste à escroquer un truc, vite fait. Ah. Avec tes escroques un peu plus vieux. Voilà. Wouhou. Voilà, parfait.
Allez, dernier, dernier. Pour compter sur la chance là. Ah non. Chance, chance, chance. Et non. What? Alors, ça a marché tout le long. Ouais. Marche, hein. Tu fais ton truc. Allez. Mais non, maintenant il veut plus. Mais la dissidence. Alors, sauf que lui, du coup, ça le tape plus assez fort. Je vais pas m'énerver. Promis, je m'énerve pas. Ou alors. Ceci ne sert peut-être à rien. Presque. Attends. Pourquoi ça veut plus marcher? C'est le truc, ça a marché tout le long. Maintenant, ça veut plus. C'est non. Ah, c'est carrément non. C'est un gros non. Attends, j'ai peut-être une idée. Mais je sais, c'est quoi ton idée? C'est ça ton idée. C'est ça. Mais elle est pas fun ton idée. Oui, mais elle mal marche. Voilà. Elle fonctionne. Voilà, mais voilà, y a pas d'escroquerie. J'ai utilisé toutes les pièces, du coup, elle est où l'escroquerie? J'avoue, mais y a un moment donné, faut se résigner. On aurait peut-être pu faire sauter ce tuyau, mais voilà. Allez, c'est pour toi la machine suivante. Et mon cadeau à ta commu. Ah ouais, mais là. Les mythes absorbeuses de rêve, qu'est-ce que c'est? Ces mythes veulent absorber mon rêve. Je ne veux pas me réveiller. Alimentez l'appareil sur la droite pour activer la lumière anti-moustique. Alors, alimentez le dispositif anti-moustique qui se trouve à droite. Vous avez un milliard d'objets. Ok. Oh, j'ai beaucoup trop d'objets. Et il est où le dispositif anti-moustique? Faut que j'aille là-bas? Les deux voitures, faut qu'elles tapent ici en fait, c'est ça? À droite. Non, il faut juste que tu actives le truc à droite. Ouais, mais il y a deux. Il y a deux ici, regarde. Ici, un et deux. Je les ai vus, mais obligatoirement, il faut que ce soit des voitures. Ah, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ah, le panneau toujours utile, il rentre ici. Ah, non, ça rentre pas. Pas du tout. Pourquoi il y a un vide ici là complète? Il y a un vide complet. Je sais pas. On est d'accord qu'il y a un super vide. T'as des moteurs pour faire tourner des batteries. Mmh. Après, je crois que les moteurs ça reste. Après, tu peux aussi escroquer le jeu en mettant juste des points pour tenir ta planche. Hein. Escroquerie finale ou pas? Peu, tout à fait, pour faire tenir ta planche, juste la poser sur des points. Escroquerie finale. Ouais, genre je m'essaye. Un point ici. Exactement. Un point là. Bon, par contre, un peu plus haut les points. Voilà. Parfait. Oui, je suis un escroc. Et alors? Alors, il en faut un deuxième. Il faut activer le deuxième. Pour ça, il faut que ça rentre, ça rentre. Il faut un timer pour déjà faire passer la voiture numéro 1. Exactement. Pour que la voiture numéro 1, elle passe. Le timer, il est combien? Il est... Je sais pas, il est de combien le timer? Il est plein. Il est plein. Bah, je mets un double timer ici. Double timer là. On tient un petit début, hein. Et là, t'as escroqué devant. Et on est parfait. Mais il y a la caisse qui est au milieu, là. Je sais pas trop à quoi c'est, hein. Ouh là là, est-ce que ça va marcher comme ça? Mais t'es sérieux? Bien sûr. On a escroqué des... Mais c'est ça. J'ai escroqué des trucs. J'ai escroqué combien de... Ah ouais, deux. J'ai escroqué deux pièces. C'est bien. Ah, voilà. Moi, c'est la vérité, si je m'en... Le jeu m'a dit, il faut escroquer un max. Je fais, ok, d'accord. Okay. La vérité, si... On va escroquer, hein. Labyrinthe de gravitation. Au départ, j'étais exalté par ce monde de rêve très étrange. Mais maintenant, je veux juste me réveiller. Au lieu de compter les boutons, on devrait compter les crânes. Allez-y, faites en sorte que le ballon rouge touche tous les crânes. D'accord. Donc, je suppose que c'est... Bon courage, je préfère que ça soit ton tour, là.
Ok. Et il faut que ça touche tout l'écran. C'est quoi ça? Ah donc faut que je fasse des parcours, des trips, des délires, des machins. Le parcours de la voiture. Je fais avec la voiture. C'est la voiture qui va devoir se taper des trips. Tôle ondulée. Oh non, on en est vraiment là. Oh là là. Bon bah déjà on n'a pas le choix, hein, mon gars. Tu fais ton petit tour déjà. Hop. Ok. Donc là, faut que t'ailles à gauche avant de revenir. Alors est-ce que ça suffit pour que tu fasses ton petit tour et que tu reviennes? Non, ça suffit pas. Donc je t'envoie plus sur le techo. Donc va pour ça. Ah mais tu vas te taper ta planche là. Ah il va se taper la planche. Ah tu vas taper, ouais tu vas taper une table. Surtout que ça marche pas. Faut déjà que tu fasses un retour sur toi-même. C'est chiant cette histoire. C'est chiant cette histoire. Peut-être pas. Peut-être pas. Mais ça, c'est normalement, tu fais ton tour sur toi-même avec ça. Non, ouais, non, mais il faut d'abord que tu repartes. Ouais, il faut d'abord que tu tournes vraiment à droite. Donc, on va partir sur une petite tôle ondulée. Parce que moi, je trouve que c'est swag. Si le jeu n'est pas d'accord. Allez, ça marche pas trop. Parce qu'en fait, faut pas la mettre là. C'est pas l'élément qu'il faut utiliser à cet endroit-là. Voilà, donc non, le jeu m'a dit non. D'accord. C'est quoi ça? C'est une colonne? Waouh! Paye ta colonne, hein. Et si je la fais tomber comme ça, ta colonne? C'est valide? Non? Non, c'est pas valide. Bon, ok, faut pas qu'elle aille là non plus. Ce jeu manque de fun, c'est terrible. Hein. C'est quoi ça? Un peu seul con hein, mais je suis pas convaincu hein. Parce qu'il faut vraiment que je fasse mon tour sur moi-même en fait, c'est ça qui est ça qui est embêtant. Alors attends, j'ai pas vu toutes les pièces non plus. On a un panneau. Panneau Obélix. Là jamais tu passes. C'est ça, jamais tu passes. Il faut des trucs doux quoi. Il faut des trucs assez doux. Avec un truc comme ça, puis avec un truc comme ça, s'il faut. Ah bah déjà non, c'est mort. Déjà le jeu il a dit si tu connecteras pas ça, va mourir. Ah, c'est le truc que j'ai posé ça juste avant, c'est ça. Oui, c'est le truc que j'ai posé juste avant. Très bien. Un petit demi-tour sur soi-même. Allez. Cool. Donc à partir de là, on pourrait refaire un demi-tour. C'est parti. Faisons un demi-tour. Voilà, petit demi-tour. Il va être bloqué la voiture, c'est dommage. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est de la tristance, hein. C'est la tristance, mais il veut pas m'offrir beaucoup plus de d'élongation que ça, quoi. Donc, je suis un peu embêté. Un gros domino. Ouais, c'est un super domino. Et il tombe. Il tombe pas, hein. Y a moyen de bricoler un truc avec ça. Non, le jeu il veut pas. Là, le jeu il veut bien. Jusqu'ici, on est bon. Le plus dur, c'est pas celui-ci, c'est la tête. C'est ça. Là, on sait qu'il faut faire demi-tour. Ouais. Là, il va être bloqué par le parcours. T'es sûr, par le labyrinthe, je pense que ça va être bloqué par le labyrinthe. Il tape. Ah non, il tape pas les biens. Ok. Il tape pas. Bon, bah là, t'es bien là. Une fois qu'on est à la droite. Mais c'est la misère le truc. C'est vraiment la misère quoi. C'est vraiment. Ce qui va être la misère surtout, c'est quand on va être en déj d'éléments. Là, on va quand même bien s'éclater. Surtout que là, moi, je pose tout. Tout n'a pas l'air de vouloir s'emboîter ensemble. Très bien. Il faut le renvoyer vers le bas. Il faut que la voiture soit à l'envers. Pendant un bon moment. Il faut qu'elle retourne en verlan pendant un temps certain. Certains diraient même pendant un certain temps. Ah, vas-y, le jeu, tu veux que je mette rien aussi? Ah non, mais il y a un crâne à prendre à droite.
Oh là là. Bah oui, c'est ça. Ah oui, non, il faut que j'ai un plat là d'abord. Il faut que j'ai un petit plat, genre un colis. Donc c'est un gros plat ton colis, hein. C'est ta caisse. Elle est énorme ta caisse. Je parle pas de ta voiture. Je parle vraiment de ta caisse. Ah, j'avais pas cette culture là. Elle va me dire non. Hein. Ça, elle me dit non. Ah, oh, c'est souvent parce que ça va c'est être le que pire, c'est objets, le pire. Me batailler avec des objets. C'est le pire puzzle, le bon emboîtage qui se rapporte au plumage. Et ceci dit, j'ai fait une connerie de base, hein. Parce que je suis parti du principe que fallait commencer par aller chercher le crâne qui est juste au-dessus. Ouais. Alors qu'en fait, ça se trouve que non. Oui, ça se trouve que non, mais bon. Ça se trouve qu'en fait, il fallait d'abord que je l'amène faire le grand tour de tous les crânes avant de la ramener là. Ouais, mais tu peux pas calculer ça. Ça se calcule pas, ça, bon. Si, parce qu'en fait, ce que je suis en train de me dire, c'est que si on commence par le grand tour, je vais pouvoir passer tous les éléments qui sont au large. Ah oui. Tu vois, faire les grandes planches, les grands machins, avant de m'amuser à placer les petits bignous à la moelle de quoi. Donc, ah oui, mais attends, on n'a pas le choix. On a le choix, hein. En fait, oui. En fait, tu mets la rampe la plus, voilà. Celle-là, voilà. Celle-là, cette rampe-là. Et après, tu fais un truc tout droit. Je pense. Comme une rambarde ou un domino. Non, parce que là, on a un autre problème, c'est-à-dire que la balle, faut qu'elle aille à gauche maintenant. Ouais, mais t'es pas obligé de la faire maintenant aussi. C'est pas timé au mètre près, tu vois. Tu peux commencer à faire un grand tour du monde. Là, elle tombe là actuellement. Ouais. Si je veux qu'elle aille là, il faut que cette flèche là aille à gauche. Oui. Donc la voiture doit faire un 360. C'est ça. Mais moi je pense qu'elle doit faire un 360 sur tout l'écran. Ah. On finira par les détails à la fin. Est-ce que tu m'autorises à poser mon. Je m'autorise à poser ma tôle. J'essaie de placer les éléments là où je peux les mettre. Hein. C'est pas mal. Une tôle, ça se discute. Puis c'est un domino, je pense. Ouais, ça va. Planche de jardin. Gros style. Puis demi-tour. Ah, déjà on peut encore placer un domino. Ouais. Passe un bon gros domino de ses morts. Mais là, en fait, on est déjà en train de se fourvoyer parce que ici, il va falloir la faire rouler longtemps la voiture. Pour faire vraiment le grand tour, tu vois. Oui, non, mais là, c'est pas celui-là. Il faut que je fasse un 360. Hein. Donc... En fait, c'est ça qui est un peu embêtant avec ce niveau, c'est que c'est vraiment juste. Tu t'as fait, y a pas de secret. C'est le hasard pur, je pense. Sauf en du fait, calcul très long, mais. Mettre, ouais, c'est ça, c'est que c'est très long, c'est très chiant pour vous là. Vous avez regardé une vidéo qui est ultra longue, juste pour leur bonheur. Oh, ou alors j'ai trouvé la solution de type, on fait une boucle encore infini. Et encore aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Si, d'abord, amen. Attends, j'ai pas un colis quelque part là. J'ai vu, je crois, un colis. Voilà, ton colis, mon gars. Allez, mon gars, allez, fais-moi ta boucle. Ah, il veut pas. Je manque du mot. Voilà. Ah, j'ai eu le premier crâne, vas-y, je te laisse galérer avec la suite. Oui, enfin, c'est dur. C'est très long en fait de trouver ça. Et là, nous on est en vidéo, donc il faut trouver vite. C'est pour ça que je te demande si t'as des idées incroyables. Des idées de génie. Il est en pleine réflexion. Ça y est. Attention.
La minute de silence pour Notre-Dame de Paris. J'ai tenté ça. Cet emplacement de colis est quand même douteux. Si tu veux, là, moi, ça, IRL, j'appelle la police. Hein. Pourquoi pour colis suspect? Bah oui. Colis qui vole au milieu de nulle part, je l'appelle pour colis suspect. Hein. Toi qui vole au-dessus d'un tableau, je suis dubitatif, ouais, tu. Je tente des trucs au hasard. Ça va peut-être faire des choses. Oh, le dessous de table, bien vu! Mais j'ai pas cherché à exploiter le dessous de table. Ouais. C'est bien vu ça. Je tente des trucs au hasard. Hein. Hop, 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 hop. Ça, on va mettre ça là. On va faire un truc assez joli ouais. En fait. Non, pas là. On doit peut-être profiter d'un peu plus d'espace, non? Attends, fais d'abord rouler la voiture avant de. Bon, on essaie. On va voir ce que ça fait comme. Lui, il veut. Pardon, en fait, pour le. Lui, il veut. Non, il veut pas. Mais tu passeras jamais le colis là? Oui. Lui, il veut. Il veut à peu près. Hop, on fait n'importe quoi et ça va peut-être marcher, c'est ça. Ouais, mais on doit avoir les placer peut-être correctement aussi. Parce que la barrière blanche, pareil, ça passe pas. Ah. La question plus d'ailleurs. Wouhou! Deux crânes. Ça pète un peu, je crois. Un peu. Ouais. Et là, tu fais quoi, ouais? C'est là, faut la ramener tout en bas et revenir. Bah oui. Ah oui. Parce que c'est bien de prendre les deux crânes. Je pouvais le faire aussi, hein, c'est pas le problème, mais c'est la suite, hein, le problème. Bah, on va tourner. Et, c'est pas la chute le plus dur, hein. C'est l'atterrissage. Hein. Ouais. Le plus dur, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage, ma gueule. Allez, on va mettre une chaise, c'est marrant. Allez, le portal. J'y crois. Et là, on peut plus rien faire, je crois, en tournant. On peut plus rien tourner. Ah, y a plus de place pour tourner. Si, on peut tourner vers le bas. Vers le. Voilà. Et là, on tourne encore. D'abord. On met cette colonne. Vertébrale. Ah, ça s'emboîte pas. Je n'ai pas d'accord. Est-ce qu'on va pouvoir prendre un troisième? Allez. Oh, deux! Il en veut plus qu'un! Et pourquoi il s'arrête? Pourquoi il s'arrête? Hein? Parce qu'il y a un mur. Il y a un mur. Ah ouais, il y a un mur. Ah, mais c'est une espèce de racine, c'est pas du décor. C'est un mur. Eh oui. Ben oui. Ha ha! Le malin, mais il a pas fait le malin longtemps. Hein. Ah, t'es en train de griller des neurones, Fox, là. Hein. Tu souffres. Je sais. Tu souffres. Il y en a deux qui servent à rien. On va faire ça directement. Ok. On va mettre des. C'est la mission je impossible. Je sais ce que t'as fait direct, mais. Okay. Ouais, non, t'as encore. En fait, j'avais deux comme ça. Et je le remplace par celui-là. Ce qui est l'équivalent, mais ce qui va pouvoir nous sauver. Parce que maintenant, je mets ça ici. C'est mort. Attends, mais arrête de dire c'est mort. Hop là. Moi j'y crois pas. Mais ne crois en rien, mais. Hop. Hop. On va faire le un peu. Je fais n'importe quoi. On va voir si ça fonctionne. J'ai fait n'importe quoi et on y est presque.
Pourquoi ça touche pas la racine, là? Wesh, aussi. Hein? Parce que la racine, y'a que... Non, mais je veux pas le savoir. Y'a que cette partie de la racine qui est touchable, l'autre partie, elle est pas touchable. Ah. Oui, alors, oui, y'a le clic molette qui peut vous être utile. Moi, je m'en sers pas, parce que ma molette, elle est possédée. Voilà, ok. Mais t'es coincé quand même, hein? Ouais, je pense. Ah, tu fais comment, hein? Mais tu te la pètes, là! Arrête de te la péter, tu sais très bien, toi, t'y arrivais... T'as mis trois planches et t'y arrivais plus, t'as abandonné, tu sais. Eh oh, j'ai eu un crâne, hein. Oui. Je participe. Parce que là, bon, moi, je veux pas dire, mais enfin, ça sent le mec qui a trop joué au jeu, là. Alors là, on était là et on n'y arrivait plus. Et tu y arrivais plus. Et ta vie est foutue. Aucune chance que ça marche. Attends. Moi, je détruis tous tes espoirs avant même que tu poses des pièces. La prochaine pièce que tu as posée sera un échec. Ah ouais. Et si je pose ça là, est-ce que c'est un échec? Complètement. Ouais. Vas-y, je regarde. Je regarde appuyer sur lecture avec ton morceau de machin au milieu. Ah ah, il sait plus quoi faire. Il est en PLS, en position latérale dans la sécurisation. Dans leur habitude, c'est comme ça qu'ils disent. Si je mettais ça là-bas, ça changera rien. Ah ouais? Perdu. T'es certain? T'es certain de la sérénitude? La certitude, oui. La sérénitude, non. Non. T'es pas certain de la sérénitude? Regarde, regarde, ça change tout. Non. Ça change rien. Attends, si, elle est où la pièce? Ah bah elle est là. Ça hop change là. Tellement rien. Ah bon? T'es sûr? T'es certain de la sérénitude, franchement? Je fais ça pour placer cette pièce et comme ça, ça peut tourner en... Cool, et tu crois que ça a tout changé? Ça a tout changé parce que le fait que ça tourne, ben ça prend le dernier crâne. Ah oui, parce qu'il va tomber, donc il va revenir, mais je suis pas sûr. Toulou ! Ah, la vie, la vraie au champ. Hein ? Ah, donc, tu vois, elle n'empêche, jeu de l'arnaque, parce que, en fait, le pilier était un faux indice. Le pilier ne servait à rien. Le pilier ne servait à rien. Je ne sais pas. Et on a fait le dernier. Et enfin, le 60. Au revoir ton tube.